En Talador, il y a bien longtemps, avant même que la Horde Noire ne voie le jour, a existé un clan orc. Des artisans hors pair. Leur particularité, leurs armes ornées de runes élémentaires. La forge et la vente étaient leur lot quotidien pour quiconque décidait d'y mettre le prix. Mais cela ne dura pas. La Horde Noire fut créée, et les Lamsor contraints de forger des armes et de se battre sous sa bannière. Le clan s'en sortira avec des pertes immenses, que ce soit matériel ou physique. Leurs plus belles créations pillées, leur savoir-faire surexploité au profit de la guerre. Ce calvaire dura jusqu'à la chute de la Horde Noire, à l'issue de la Seconde Guerre. Échappant au camp d'internement, en adoptant une existence de nomade, ce n'est qu'à l'arrivée de Thrall que les Lamsor arrêtèrent de courir. Du moins, un temps. Ce n'est que quand Garrosh sur l'Enfer arriva au pouvoir que le clan reprit sa route pour se concentrer sur sa tâche principale. Retrouver son héritage dispersé à travers les vieux champs de bataille, passé de main en main au fil des ans. Mais aujourd'hui, plus que jamais, le clan Lamsor a besoin de la Horde pour sauver son héritage. Désormais dans les rangs, la brigade Lamsor met à disposition son savoir-faire de la forge runique élémentaire. Agrandie par des membres de tout horizon et ethnie, comptant bien restaurer son héritage ancestral, quoi qu'il en coûte.